J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer eh bien, la méthode furtive pour le braquage de Vincent sur GTA Online. Eh bien oui, encore merci à Spartan de m'avoir donné bien quelques petites informations qui ont permis eh bien, de réaliser cette vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme. Mais vraiment pas du tout prévue. Moi, je pensais vraiment que simplement le début changeait de manière furtive ou agressive et c'est tout. Eh bien non, ça va beaucoup plus loin que cela. Alors, dans un premier temps, je rappelle que le braquage de Vincent peut être fait solo, sur session, invitation, pas besoin d'amis concrètement, ça sert à rien. Et vous gagnez 500 000 $ à la fin. Vous pouvez le lancer en facile, normal ou difficile, c'est le même prix. Et vous devrez attendre une heure pour relancer ce fameux braquage. Je rappelle également mes petits conseils comme, eh bien, la mission de préparation des armes, prenez le point A. La mission de préparation des véhicules, prenez le point C. Et enfin, la mission de préparation ultime pour ce fameux braquage, pour l'avoir en furtif, c'est de réussir la dernière mission de préparation. Oui, vous réussissez cette mission au mieux. Alors pour cela, je rappelle, hein, vous rentrez dans l'entrepôt Clucking Bell, donc des véhicules où il y a les Benson. Vous sabotez tout de suite, en fait, le coin où il y a caméra vidéo de surveillance. Donc, vous mettez un petit coup de crosse au PNJ, vous retirez la cassette de vidéosurveillance, vous pétez la caméra de surveillance le plus vite possible, tranquillement, et ensuite, vous pouvez finir la mission. Et vous aurez ce fameux mode furtif. Alors, le mode furtif, ça se résume très simplement, c'est en prenant votre pistolet. Eh bien oui, je n'avais pas vu que le fameux pistolet était avec un silencieux. Bon, dernière information importante, lancez ce braquage furtif en facile. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Enfin bref, maintenant c'est parti pour découvrir ce fameux braquage en méthode furtive. Bon, je vous avoue que la fin, j'ai fait comme j'ai pu. Je savais pas trop où passer ce genre de choses. Alors veuillez m'excuser, c'est ma première fois en mode furtif et j'ai réussi du premier coup. Enfin bref, c'est parti maintenant pour découvrir, eh bien, cette méthode furtive.
vacate the contents of the safe too. Establish a connection to the computer first. It's safe to assume you didn't read the manual for the hacking device you picked up, correct? Well, I did, and it's simple. Just find the strongest signal, and it should jump on the connection. If you're seeing blue, keep going in that direction. Red, you're off course. There could be multiple points, so keep walking till you found them. Okay, that should have done it.
Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bientôt les 15 000 abonnés, franchement je compte sur vous. Le partage pour faire connaître la chaîne, le like qui fait plaisir, qui soutient la chaîne, je le rappelle, et puis on se retrouvera bien très prochainement pour d'autres vidéos. Moi je vous laisse, ciao tout le monde, et puis portez-vous bien.